Hey, yo tout le monde, c'est Shoman Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, comme d'habitude. Donc on se retrouve sur GTA 5 pour les véhicules numéro 80. Donc c'est le corbillard, hein, donc j'ai trouvé par hasard cet endroit, hein. Je me baladais en BMX. Et je suis tombé dessus vraiment par hasard, hein. Donc c'est vraiment le truc typique de corbillard. Derrière on peut voir qu'il y a des fleurs. Et un cercueil. Donc voilà, le corbillard. Donc je crois que c'est le Romero Hearst. Hein. Si c'est comme dans le San Andreas, ça doit être le Romero Hearst. Ou un truc comme ça. Ah, voilà, Romero. Donc dans San Andreas, le nom c'est Romero Hearst. Je crois qu'il y a même le code. Donc il est assez cool à piloter. Il est un peu basé sur une limousine. Hein. Le devant, puis après c'est break. Donc il est assez cool à conduire. Puis il est assez rare surtout. Donc il doit y avoir sûrement plusieurs points de spawn hein, pour ce véhicule. Moi j'ai trouvé par hasard sur un parking, mais j'ai déjà vu devant les églises et tout, donc après je sais pas. Mais là c'est cool je trouve. Oh, je pense pas qu'on puisse se modifier. Donc je vois pas ce qu'il pourrait faire dessus. Ouais, il est assez cool comme véhicule. C'est un truc tranquille, ça. C'est posé. Ouais, non, là, c'est bien. Il est considéré comme une berline, apparemment. Puis on voit qu'il y a les rideaux sur les côtés. Ouais, celui-là, j'ai vraiment pas vu souvent ce véhicule, quand même. On voit qu'il y a les rideaux. On voit le cercueil, hein. Ouais, kiole. J'y fais quoi? Y'a quelqu'un qui m'en veut? Voilà. Ça c'est fait. Donc là, on voit bien le cercueil là, celui devant là, on voit bien le cercueil, puis à l'arrière aussi. Apparemment c'est vraiment un véhicule assez rare, apparemment. Je pense il doit pas spawner n'importe où quand même. Donc voilà pour cette petite vidéo sur GTA 5, et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Salut.